m'appelle Isaiah Mirimo de Dieu. Je suis jeune entrepreneur. J'évolue dans l'agribusiness. J'ai fini à l'ISP Goma. C'était en 2016 que j'ai fini. Et après là, je me suis dit, quand même, je ne dois pas chômer à la maison. J'ai commencé à enseigner. Quand j'ai commencé à enseigner, après, j'ai vu que la carrière n'était pas rentable. En 2022, c'était en juin, j'ai rencontré une opportunité qui était de l'incubateur Eli qui a fait Ketchopo, qui voulait soutenir les jeunes qui ont les idées entrepreneuriales. Alors, moi aussi, j'ai tenté ma chance. Quand j'ai tenté ma chance, gloire au Seigneur, ma candidature a été sélectionnée parmi beaucoup de candidatures. On a subi une formation d'une semaine et demie. Cette formation était très bénéfique pour nous parce que ça nous a facilité, ça nous a aidé à nous outiller plus davantage dans notre carrière dont nous voulons commencer. Nous cultivons les pili-pili, nous produisons. Quand on produit, on fait la transformation de notre piment en poudre. Et cette piment en poudre est conservable à une longue durée. On fait aussi la culture des maraîchères. On a cultivé les poireaux. Je pense que vous voyez les poireaux, comment ça donne, c'est bien. Nous avons aussi cultivé les poivrons. Vous voyez les poivrons, ce qu'on produit, 4 ou 5 déjà, c'est 1 kg. Ce sont des poivrons de bonne qualité. À part ça, on a essayé aussi de faire quoi? Nous cultivons des tomates. Nous sommes presque à la fin de la saison.